Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven et aujourd'hui on va parler du mode co-op. Alors à quoi il sert? Quand est-ce qu'il est accessible? Qu'est-ce qu'il donne? Est-ce que c'est intéressant de le faire? On va répondre à toutes ces questions. Alors tout d'abord le mode co-op, il se trouve où? On va dans Battle, vous allez en bas sur Event et il est ici. Alors vous voyez là, il est accessible, mais il est accessible qu'à certaines horaires. Alors il est accessible toute la semaine, ça y a pas de problème, ça coûte 20 pour le faire. Par contre, embrouille, on va dire, petite complication, c'est qu'il est accessible de 3h du matin à 7h du matin. Autant vous dire que là, il n'y a pas grand monde. Et heureusement, il est aussi accessible de 19h à 23h. Bon, vous l'aurez compris, pour nous, français, c'est quand même plus facile, ou francophones en tout cas, si vous vivez à côté, c'est plus facile de se baser sur les horaires du soir. Donc 19h, 23h, 7 du matin, c'est un peu compliqué, sauf si vous vivez la nuit. Mais voilà, c'est difficile. Alors peut-être qu'ils adapteront ces horaires à surveiller. Mais pour l'instant, nous, c'est plutôt le créneau du soir qui nous intéresse. Donc une fois que vous êtes dans le créneau, que c'est bon, vous rentrez là-dedans, sachant qu'encore une fois, voilà, ça coûte 20 par essai. Donc gardez quand même de la stamina si vous comptez faire du coop. Comment ça se passe et pourquoi on veut le faire en fait ce mode là c'est que à droite vous voyez, vous avez un nombre de récompenses. Alors vous avez un nombre d'essais à faire sur ce mode là vous en avez 21, c'est à dire que au bout de 21 essais vous pourrez toujours en faire du coop, ça vous grillera la stamina, vous gagnerez quand même l'expérience pour la stamina et tout, mais vous ne gagnerez plus les récompenses de fin, parce qu'on voit il y a des récompenses de fin. Mais avant d'arriver là, pourquoi on veut le faire 21 fois? Parce que la première fois vous avez ça. Bon, je peux plus recliquer dessus, j'ai utilisé. Bon, vous avez tout qui sert à améliorer les armes, donc ça c'est bien, mais surtout vous avez ça. Vous avez 50 tickets pour aller créer une arme 5 étoiles. Et après, quand vous l'avez fait 20 fois, enfin 21 fois, vous avez 100 tickets de plus. Sachant qu'une arme pour la créer, c'est 450 tickets. Donc en fait, vous faites ça 3 fois d'affilée et vous aurez les 450 tickets qui vous permettront de créer une arme 5 étoiles. Donc c'est une des meilleures sources en fait, pour récupérer des armes 5 étoiles régulièrement. Et aussi, vous pouvez la récupérer en fin de partie. Moi, ça m'est arrivé. La première fois que j'ai fait, là, sur les 21 essais, il y a une arme 5 étoiles qui est tombée. Et on était en difficulté, je crois, easy ou normal. Donc, c'est pas des trucs de fou. C'est assez facile à faire. Et l'air de rien, vous pouvez récupérer des armes 5 étoiles. Soit en drop, soit via là, la petite récompense. Donc, faites-le quand vous pouvez. Le but, c'est d'arriver à faire 21 essais sur la semaine. Alors, pour l'instant, on voit qu'il y a un seul boss qui est déverrouillé. C'est normal, c'est le début. Hein, c'est en fonction de votre niveau, tout ça. Donc, là, pour l'instant, on est sur les mobs le plus facile. Hein, il est assez basique. Vous pouvez avoir des infos sur lui. Si vous cliquez, hop là, je vais revenir ici. Si vous cliquez ici sur Battle Preparation, en bas vous avez check et vous voyez le boss. Bon, ça vous dit un peu ce qu'il peut faire, hein, le pouvoir qu'il a. Bon, lui, il a pas grand chose comme pouvoir. Là, on vous met les récompenses et quand vous allez aller sur, par exemple, Create Room, je vais faire OK. Je vais arriver ici et de là, je vais pouvoir créer mon équipe. Vous voyez, il y a des gens qui vont arriver et je vais pouvoir lancer en fait tout ça. Et en gros, je peux régler la difficulté. Donc, plus vous montez, bien, plus vous aurez de chances d'avoir des récompenses un petit peu avancées. On lance une partie pour de vrai, vous allez regarder un petit peu, vous allez pouvoir voir concrètement ce que c'est. Alors là, le boss est en facile, donc ça va se passer très très simplement. Sachant que quand vous allez passer en normal, ben, au début, il va falloir quand même un petit peu plus galérer, vous voyez là, le petit Anubis. Et après, quand vous allez passer sur le mode difficulté hard, là, ça devient beaucoup plus compliqué et c'est là que rentre en compte en fait l'importance d'avoir un soigneur. Si vous avez quelqu'un qui joue Live par exemple en S dans ce mode là, ben c'est super utile parce que le gars il va être autour de vous, il va pas arrêter de vous soigner et vous allez largement tenir le combat. Alors que si vous l'avez pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors le mode facile, vous voyez là le pauvre on est en train de le plier, on prend pas de dégâts. Mode normal c'est un peu plus compliqué et pour le mode hard, franchement quand vous avez un soigneur ça fait toute la différence. Donc là on va tuer le boss très simplement, là c'était juste vraiment pour faire métraille. Et on va arriver sur un écran, hop, je vais gagner un petit peu d'expérience et je vais avoir l'écran, je vais devoir choisir une récompense. Et c'est là que vous pouvez tomber sur une arme 5 étoiles, vous voyez. Hop, je choisis, bon bah j'ai une petite épée, 3, voilà, c'est pas fou. Et derrière, vous avez encore des petites récompenses d'amélioration, notamment des armes et des consciences. Vous pouvez mettre un petit like et pour celui que vous avez bien aimé, qui a bien fait son taf, on va dire. Et vous avez des petites récompenses en plus. Et de là, bah, vous allez pouvoir enchaîner en fait vos trails. Ça va vous pomper à chaque fois bah, 20 d'énergie et puis vous enchaînez les combats. Alors si vous voulez juste en fait faire les 21 essais pour récupérer les matières qui vous permettent d'invoquer des armes 5 étoiles, ben vous vous mettez en facile et puis vous enchaînez ça. Maintenant, si vous avez plus de temps, vous voulez gratter un petit peu des récompenses, tenter en tout cas d'avoir des récompenses de meilleure qualité, ben vous montez le niveau pour que la difficulté soit un peu plus costaud. Vous pouvez jouer avec des amis aussi, hein. Vous pouvez créer des trucs, en fait, inviter les amis directement là pour jouer en coop et faire des équipes un petit peu adaptées, quoi. Si vous avez 2 DPS et par exemple, il y en a un qui joue soigneur, ben ça passera beaucoup plus facilement en fait. Donc voilà, concrètement le mode a rien de compliqué quoi, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Je trouve que c'est sympa à faire en fait, de temps en temps ça change un petit peu et l'air de rien, ben, pour avoir des armes en fait 5 étoiles, c'est un des meilleurs moyens.
Alors maintenant que vous avez des tickets, vous avez plein de tickets, vous avez fermé le mode et tout, vous avez des tickets pour invoquer des armes 5 étoiles, ça se passe où? Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez dans le shop, Recycle Shop, et ici vous allez sur le 5 étoiles Weapon Shop, voilà, et vous pouvez invoquer vos petites armes. Vous voyez, moi j'ai 150 tickets, ça suffit pas, puisque j'avais dit tout à l'heure, il en faut 450. Mais déjà, ça permet de bien vous équiper, parce qu'une fois que vous avez votre perso qui a déjà une arme 5 étoiles, ben, vous n'avez plus qu'à la monter tout ça, et vous aurez déjà une arme qui est très correcte. Les armes 6 étoiles, ben, ça se trouve principalement, c'est du gacha, donc il faut dépenser des black cards, ce genre de choses là, et c'est vraiment pour opti des persos à bloc, mais il n'y a pas besoin de ça hein, pour déjà être bien compétitif. Les armes 5 étoiles, ça suffit déjà largement à avoir un bon perso. Voilà pour ce court tuto. Je sais que les armes, il y en a beaucoup qui galèrent en fait à en avoir, donc j'espère que déjà ça vous montrera un petit peu ben, un des moyens principaux de l'avoir. Après, ben, y a tout ce qui est gacha, il peut y avoir aussi tout ce qui est login et événement de login hein, souvent qui arrive à donner des fragments d'armes ou ce genre de choses là. Donc faut bien être régulier sur le jeu, faire un petit peu toutes les trucs qui sont disponibles, en fait tous les modes de jeu, et surtout ben, ce truc là de coop. Pensez à le faire quand vous pouvez, donc gardez un petit peu de stamina sur la journée pour en avoir le soir pour faire cet événement-là. 21 tries sur la semaine, c'est quand même largement faisable. Et l'air de rien, ça fait 150 tickets qui rentrent tout le temps. Chaque semaine, en fait, vous allez récupérer ces 150 tickets assez facilement parce que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des trucs difficiles. Vous mettez en facile. Les parties durent, enfin, durent pas longtemps. Franchement, en 30-40 secondes, c'est réglé. Et ça vous permet d'avoir un afflux très régulier de tickets et à terme d'armes 5 étoiles. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme type de vidéo, est-ce qu'il y a des aspects du jeu en fait que vous aimeriez voir couvert parce que vous galérez un petit peu, vous n'avez pas forcément les infos, c'est pas évident au début de prendre ces marques, mais on arrive relativement vite à prendre le tout en main. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé en tout cas, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.